Bonjour à tous, c'est Benzito de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre une petite boîte de cartes de baseball. On est sur du baseball français. Donc c'est la Fédération Française de Baseball et Softball qui a produit ces cartes-là. Donc c'est un jeu de cartes que je me suis pris, alors il me semble que c'était au Paris Card Show 2022. Voilà, et je voulais vous montrer ce petit paquet. Que voici. Voilà, on va regarder un petit peu les cartes ensemble. Je voulais en parler parce que il s'agit de baseball français et vous savez que je suis très attaché aux produits français, que ce soit les sites commerçants, que ce soit les fabricants de cartes en France. Voilà, ça me tient à cœur de montrer ce genre de produits. Donc là, on est sur un deck de 30 cartes. On a les noms. Donc il y a 15 cartes de baseball féminin et softball d'ailleurs, hein, baseball et softball, ça va ensemble plus ou moins. Hein. Et la même chose pour les masculins, donc pour les hommes. Et donc je vais vous montrer un petit peu toutes ces cartes. Si j'arrive à les sortir. Voilà, elles arrivent. Donc des cartes vraiment de très très bonne qualité que voici. Donc on est sur des joueurs donc de l'équipe de France. Elles sont très sobres ces cartes, mais vraiment que ce soit la qualité de la carte ou alors le design, elles sont vraiment très très belles et très réussies. Et je vous invite d'ailleurs à essayer de vous en procurer. Alors je sais pas si elles sont encore disponibles, mais essayez de voir peut-être sur la fédération ou alors faut vous renseigner, faut essayer de les contacter peut-être pour savoir où on peut s'en procurer. Peut-être via Slam Deck ou quelque chose comme ça. Donc il faudra chercher un petit peu, mais à mon avis, il doit encore y en avoir de disponibles. En tout cas, la qualité elle est vraiment top. Très belle qualité. Et design vraiment très joli également. Donc, on a le détail du palmarès par joueur. Pour ce super produit, voilà, Louis Brinville, 3e base, Owen Azanich, lanceur, faut que je me procure une casquette de l'équipe de France aussi, chaque fois que je les vois je me dis il me la faut, Paolo Brossier, champ extérieur, et la casquette là, avec ce gros F, il faut que je me la procure, mais il faudrait que je retourne voir un petit match de baseball directement en France. Je suis allé en voir un, j'avais été voir le Yoshida Challenge à Sénart, sur le stade des Templiers de Sénart. Et je vous conseille vivement de faire de même, d'aller voir des matchs de baseball français. Il y a également mon équipe que j'essaye de suivre de loin, mais que j'essaye de suivre quand même, c'est les Comets. Donc de Metz, hein. Ou les Comets si vous voulez, de Metz. Voilà, c'est pareil, il faut que j'arrive à m'obtenir une casquette de chez eux, ça serait génial. Je suis un grand fan de casquettes. J'ai pas la place de les stocker, mais j'adore ça. Et les casquettes et baseball, évidemment, ça va ensemble. Donc on a vu, il y a des femmes. Hein. Donc ça c'est très bien. Là on a une receveuse en softball. C'est vraiment un super sport, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. C'est vraiment un super sport, donc n'hésitez pas à essayer un jour, ou en tout cas, aller voir quelques matchs. Vous n'allez pas le regretter. Et en plus, c'est super pour aller en famille. Alors, on a Léna Selam, champ extérieur. Emma Patrice. Pauline Prade, champ extérieur également. Héloïse Tribolet. Marjorie Brunel. Et les photos sont quand même très jolies. Camille Fouché. La fameuse Mélissa Maillot. Champ intérieur lanceuse. Léonie Poté, Amina Taleb,
Nicolas Garin. Sylvain Buva, lanceur en softball. Clément Colomès, le pichon. Champ extérieur. Jacques Boucheron, en champ extérieur. Anthony Cross. Bastien Dagneau. Esteban Prioul. Et on termine sur Félix Brown, deuxième base. Voilà donc pour ces cartes. En tout cas, j'espère qu'il y en aura d'autres qui arriveront par la suite. Ça serait bien d'avoir des cartes de championnat directement, donc des cartes de Rouen, de Sénart, de tous les clubs de première division. Hein, ce serait génial pour étoffer un peu nos collections, et puis ça permettrait de faire un petit peu de signature sur les cartes. Ce serait vraiment une excellente initiative de la part de la fédération. En tout cas, voilà pour ce petit paquet de l'équipe de France à vous procurer absolument pour tous les fans de sport américain et de baseball en particulier. Voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez découvert une collection et que ça vous a plu évidemment. Comme souvent sur la chaîne, j'essaye de vous proposer des vidéos différentes et variées et surtout qui permettent de découvrir pas mal de choses. Donc en tout cas j'espère que ça vous plaît. Donc si la chaîne vous plaît, pensez à vous abonner. Donc juste un petit clic à faire, ça me fera plaisir et en plus vous ne raterez pas les prochaines vidéos, donc c'est important. Allez faire un petit tour aussi sur les réseaux sociaux, vous me trouverez un peu partout. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, j'y suis. Le site internet pour ne rien rater également. Et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!